Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus promit à ses disciples : Et voici, je viens bientôt. Je ressemblais à tous les autres qui croyaient au Seigneur Jésus. Pour accueillir le Seigneur, j'ai répandu avec enthousiasme la parole du Seigneur et lui ai rendu témoignage. J'ai donc été persécuté et arrêté par le gouvernement communiste chinois et condamné à 4 ans de prison. Je repense aux étapes que j'ai traversées. D'abord le fait de croire au Seigneur, ensuite d'accueillir la venue du Seigneur, puis mon enlèvement devant Dieu. Pour chacune de ces étapes, j'ai été guidé par Dieu. Je repense à la grâce que j'ai reçue de Dieu. Je ne compte plus le nombre de fois où j'en ai reçu. C'était il y a 10 ans. À l'école, en tant qu'enseignant, j'ai commencé à répandre l'Évangile et à rendre témoignage au Seigneur. Bien, nous continuerons la leçon demain. N'oubliez pas de terminer vos devoirs. Je les corrigerai demain, d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Le cours est terminé. Au revoir et à demain. À demain. Tu viens réviser chez moi? Monsieur Chan. Oui? Après avoir écouté l'Évangile que vous nous avez fait connaître, mon père et ma mère ont été extrêmement émus. C'est vrai? Oui. Ils aimeraient vous inviter à nouveau ce week-end. D'accord. Et vous savez, mes parents aussi aimeraient vous entendre parler de la Bible. Est-ce qu'on pourrait venir pour vous écouter? Bien sûr. Le Seigneur en soit remercié. Dis à tes parents que je viendrai ce week-end. D'accord. Monsieur Chen? Oui? Le proviseur aimerait vous voir dans son bureau. J'y vais. Au revoir, monsieur Chen. Au revoir. Bonne journée. À demain. À plus tard. Entrez. Monsieur le proviseur. Asseyez-vous. Très bien. Merci. Bonjour, monsieur. Madame. Monsieur Chen, nous aimerions vérifier quelque chose auprès de vous. J'entends dire que vous croyez au Seigneur et que vous prêchez aussi. Vous confirmez que c'est vrai? Oui, proviseur Sun, c'est exact. Je crois au Seigneur et je répands l'Évangile. Cela pose-t-il un problème? Étant donné que c'est la vérité, oui, ça pose un problème. Dans notre pays, il est interdit aux professeurs, aux employés administratifs ainsi qu'aux élèves, de croire au Seigneur. Oui, j'en ai conscience. Alors, puisque vous le savez pertinemment, et que vous croyez en Dieu et que vous prêchez ses dogmes, vous enfreignez délibérément la loi. L'école tout entière est sans dessus-dessous en ce moment. C'est un problème extrêmement grave. Comme vous le savez, le Parti communiste est au pouvoir dans notre pays. Et les écoles sont les bastions du parti en matière d'éducation. Ce sont des zones athées. S'il y avait un chrétien dans notre école, ce serait un outrage. Les effets seraient dévastateurs. C'est une chose que ni le parti ni la nation ne peuvent tolérer. Votre croyance dans le Seigneur est une violation de la loi. Cette école doit prendre ce problème très au sérieux. Actuellement, 2 possibilités s'offrent à vous. Continuez de croire au Seigneur ou abandonnez votre croyance pour enseigner chez nous. C'est à vous de choisir. Proviseur Sun, s'il y avait un chrétien dans votre école, est-ce que ce serait vraiment si terrible? Une grande partie de l'humanité croit en Dieu. Dans les pays occidentaux, il y a des chrétiens à la tête de chaque nation. Alors pourquoi notre gouvernement devrait-il interdire aux écoles chinoises de compter des chrétiens dans leur rang? La liberté de religion est inscrite dans la Constitution. Croire en Dieu est un droit civique. C'est une chose raisonnable et licite. Et je le précise, ma foi n'influence pas mon enseignement. Et elle n'enfreint pas le règlement de l'école. Pourquoi le gouvernement veut-il m'enlever mon emploi et me faire perdre ainsi ma source de revenus? C'est me priver de mon droit à la subsistance. Comment ça peut être admis?
Expliquez-moi pourquoi ce n'est pas une enfreinte à la Constitution. Monsieur Chen, il n'y a pas de vraie liberté dans notre Constitution. Ce n'est qu'une façade pour les étrangers. Vous croyez qu'on vous accorderait la liberté de religion? On est gouverné par un parti communiste athée. Dans les écoles gérées par le parti, on ne peut parler que d'athéisme, ainsi que de marxisme et de Mao Tse-tung. Il n'est pas autorisé de croire au Seigneur, encore moins de prêcher à son sujet. Votre emploi d'enseignant, c'est le gagne-pain que vous accorde le parti. Donc, étant donné qu'il vous a donné cet emploi, si vous continuez de croire au Seigneur, vous mordez la main qui vous nourrit. Je vous rappelle une chose. En Chine, croire au Seigneur est une infraction passible de prison. Soyez prudent. Vous pourriez mettre votre vie en danger. En tant qu'enseignant, vous avez toujours eu de bons résultats. On veut bien vous accorder une chance. Alors ne la gâchez pas. Si vous voulez garder votre emploi, engagez-vous par écrit à ne plus croire en Dieu. Si vous persévérez dans votre croyance, vous serez renvoyé de la fonction publique. C'est la politique du pays. Nous n'avons pas le choix. À vous de prendre votre décision. Si le gouvernement me mettait à la porte à cause de ma croyance en Dieu, ce serait absolument inhumain. Est-ce que c'est illégal en Chine de croire au Seigneur et d'être chrétien? On peut m'arrêter et m'enfermer? Cette loi n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Le gouvernement veut me congédier à cause de ma foi dans le Seigneur. C'est me priver de mon droit à la subsistance. Le parti se vante à l'extérieur de nous assurer le droit à la subsistance. Mais il prive ses propres citoyens de ce droit. Vous ne trouvez pas que c'est le comble de l'hypocrisie? Pourquoi il ne veut pas qu'on prenne le bon chemin en croyant en Dieu? C'est un parti maléfique. L'homme a été créé par Dieu. Il doit donc croire en lui et l'adorer. C'est la stricte vérité. Concernant ma croyance, je refuse tout compromis. Même si l'école doit me congédier, je croirai quand même en Dieu. Voilà, j'ai fait mon choix, sans le moindre regret. Monsieur Chen, je vous en prie, suivez mon conseil. L'homme sage plie sous le vent. Dans notre pays, c'est le parti qui fait la loi. Il faut se soumettre au parti. Qui oserait aller à l'encontre des décisions du parti? Comme dit le proverbe, les faibles ne peuvent rien contre les forts. Que vous apporte votre croyance? Dieu peut-il vous loger et vous nourrir? Peut-il vous donner un emploi? Essayez d'y réfléchir. Si l'école vous licencie à cause de votre croyance en Dieu, il y a fort à parier que votre épouse aussi sera licenciée. Comment ferez-vous pour survivre tous les deux? Pensez à votre fille. À cause de vous, elle ne pourra pas aller à l'université, encore moins entrer dans la fonction publique. Vous devriez prendre tous ces facteurs en considération. Vous ne voyez pas les avantages et les inconvénients de cette situation? Nous avons tous une vie difficile. Inutile de se la compliquer encore plus. Vous ne voyez pas que ce chemin vous mène à l'impasse? J'ai bien pris en compte tout ce que vous m'avez dit. Mais je crois que il n'y a que Dieu qui puisse décider du destin d'une personne. Le Seigneur Jésus a racheté l'humanité. C'est seulement en acceptant le Seigneur Jésus qu'on peut être absous de ses péchés et obtenir la bénédiction de Dieu et la vie éternelle. Je ne peux pas nier Dieu ni le trahir. L'argent ne protège pas de la honte et de l'infamie. De grands désastres nous attendent.
Ceux qui croient en Dieu échapperont aux calamités et seront protégés. Ceux qui ne croient pas en lui et qui lui résistent, ils écoperont de catastrophes et seront détruits par Dieu. Ça suffit, Jen. Il semble que vous vouliez croire en Dieu à tout prix et que vous n'écoutiez pas nos conseils. Très bien. Puisque vous n'abandonnez pas votre foi, nous allons respecter votre choix. Je vous annonce officiellement qu'à partir de demain, vous ne travaillez plus ici. Maman, laisse-moi t'aider. Maman, c'est l'heure de dîner. Comment tu peux avoir de l'appétit? Tu n'as plus de travail à cause de ta croyance en Dieu. Comment vas-tu gagner ta vie maintenant? Et qu'est-ce que vont dire nos voisins? Si les gens apprennent ça, ils ne vont pas arrêter de nous critiquer. Comment je vais faire pour supporter leurs attaques? Tu as été inconscient. Tu es notre pilier dans cette maison. Tous les membres de la famille comptent sur toi pour survivre. Les décisions que tu prends ne sont pas sans conséquences. On dirait que tu le fais exprès pour me mettre en colère. Je ne sais pas quoi te dire tellement je suis effondrée. Maman. Tinting, va faire tes devoirs dans ta chambre. D'accord, papa. Xiang Wang, nous avons raison de croire au Seigneur. Mais pourquoi ne pas y croire en secret? Pourquoi il a fallu que tu en parles? S'il y a une chose sur laquelle le gouvernement est inflexible, c'est la religion. En affirmant ta croyance, tu nous exposes à beaucoup d'ennuis. C'est une catastrophe. En plus de la perte de tes revenus, tu peux être arrêté et tu risques même d'aller en prison. Si tu ne penses pas à ton propre bien-être, tu pourrais penser à celui de ta famille. Si le Seigneur devait revenir là dans les prochains jours, cette souffrance en vaudrait la peine. Mais il est encore trop tôt pour qu'il revienne. Combien de temps allons-nous encore souffrir? Ma foi n'est pas assez solide. Écoute, Yang Mei. Xiang Wang. Yang Mei essaie de te mettre face à tes responsabilités. Si tu vas en prison, cette famille sera détruite. Je me fais beaucoup de soucis pour vous deux. À mon âge, on a vécu beaucoup de choses. Et maintenant, je sais comment fonctionne le parti. Ils organisent des campagnes de persécution et de punition. Il y a tellement de pauvres gens qui sont passés entre leurs mains. Même s'il n'est pas illégal de croire au Seigneur, le parti se moque de la liberté de croyance. Regarde, maintenant tu n'as plus de travail. Et il est probable que Yang Mei subisse le même sort que toi. Comment on va faire? Je suis très angoissée. Maman. Yang Mei. Je comprends ce que vous ressentez toutes les deux. J'ai été licenciée par l'école. Je n'ai plus de source de revenus. Et vous souffrez toutes les deux à cause de ça. Je m'en veux de cette situation. Mais comprenez que je n'avais pas le choix. Le parti m'aurait fait renvoyer
et j'ai opté pour la seule chose raisonnable à faire. Mais ne croyez pas que je n'ai pas longuement réfléchi avant de prendre ma décision. Regardez, tous les prêcheurs qui ont consacré leur vie au Seigneur, Dieu les a récompensés. Ils ont bien vécu, sans manquer de rien. Repensez à toutes les années où nous avons cru au Seigneur. Il nous a traités avec beaucoup de bonté. La grâce du Seigneur suffit à couvrir nos besoins. Puisqu'il nous guide, remettons-nous-en à sa volonté. Le Seigneur Jésus a dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. » Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Yangmei, aujourd'hui, notre plus grand espoir est qu'il vienne et nous enlève dans le royaume des cieux. Ses paroles nous disent que le chemin vers le royaume des cieux sera un chemin de souffrance, accompagné de toutes sortes de répressions, ainsi que de calomnies, et d'arrestations et de persécutions par un régime satanique. Pour ceux d'entre nous qui croient au Seigneur, on ne peut pas vouloir la bénédiction sans accepter la douleur. Sinon, ce n'est pas du dévouement. Et quand le Seigneur viendra, comment pourrions-nous être dignes d'être enlevés dans le royaume des cieux? Comme vous le constatez, les catastrophes naturelles se multiplient. Le retour du Seigneur est pour bientôt. Si nous ne pensons qu'à notre confort, comme les gens de ce monde, sans accepter de souffrir pour suivre le Seigneur, il nous abandonnera face au désastre et nous regretterons, mais il sera trop tard. Maman, Yangmei, bien que j'ai perdu mon emploi à l'école, je trouverai un autre travail. Le Seigneur Jésus a dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? » Nous devons nous fier au Seigneur en tout, en sa direction et sa miséricorde, et nous franchirons les obstacles. Ne t'inquiète pas. Mon enfant, quand tu décides de quelque chose, rien ne peut t'en détourner. Je n'ai plus aucune influence sur toi. Tu ne m'écoutes plus, quoi que je dise. Alors crois en ce que tu veux. Mais je te préviens, des temps difficiles t'attendent. Maman. Xiong Guang, j'ai bien compris tout ce que tu as dit. Nous pouvons endurer toutes ces souffrances, mais notre fille ne peut pas. Et ta mère non plus. Même si les choses tournent très mal pour nous, on ne peut pas infliger ça à notre enfant et à ta mère qui est âgée. C'est trop dangereux. Notre croyance nous mènera à encore plus de persécutions. J'espère vraiment que le Seigneur reviendra bientôt, pour que toutes ces douleurs et ces souffrances prennent fin. Seigneur Jésus, ici en Chine, croire en Dieu est un tel défi. Sans tes paroles pour me guider,
Je ne sais vraiment pas comment continuer à poursuivre mon chemin. Seigneur, je t'implore d'affermir ma foi et de me donner la force. Donne-moi la patience de te suivre jusqu'à la fin. Je t'en prie, Seigneur. J'espère que tu vas bientôt revenir pour nous sauver de ce monde de ténèbres. Oh Seigneur. Le monde est obscur, le diable règne. La nuit la plus longue se prolonge. Le sentier pour croire dans le vrai Dieu. Il faut partir. Le voisin nous a dénoncé à la police. Suivre la vie est dure. Je n'aurais jamais cru que la persécution du gouvernement serait de plus en plus sévère. Depuis que Xi Jinping est au pouvoir, non seulement la loi ne s'est pas assouplie envers la religion, mais elle est encore plus stricte. C'est vrai. De plus en plus de chrétiens sont arrêtés et persécutés. Plusieurs églises des trois autonomies ont été détruites. Et surtout, encore plus de croix ont été arrachées. Et personne ne s'en prend à ces vandales. Je ne comprendrai jamais ça. Pourquoi le parti est aussi dur avec le Seigneur Jésus et la croix? C'est vraiment inhumain. Tout à fait. Je trouve ça scandaleux. On doit le Les choses savoir. Sont claires à présent. Quelle que soit la personne à la tête du parti communiste, ils sont tous démoniaques. Ils haïssent Dieu et lui résistent. Oui, exact. C'est l'œuvre de Satan. Nous continuerons de subir ça, à moins que les communistes ne perdent le pouvoir. Il a raison. J'espère que le Seigneur va revenir. Que nous ne soyons plus obligés d'endurer ça. Nous l'espérons tous. Bien sûr que nous espérons son retour. C'est même notre vœu le plus cher à tous, n'est-ce pas? Qui a envie d'être persécuté par le gouvernement? Personne. Au début, nous étions persuadés que le Seigneur reviendrait en l'an 2000.
Mais plus de 10 ans ont passé, et malheureusement, il n'est toujours pas revenu. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Moi aussi, je me pose beaucoup de questions ces temps-ci. Il y a une certaine déprime dans les cercles religieux. Et beaucoup d'églises ont fermé. Alors je vous le demande, à vous qui observez le ciel avec tant d'espoir dans les yeux, aurons-nous vraiment une chance de l'accueillir? Écoutez, Seigneur Jésus a dit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Pourquoi ne pas faire des recherches pour voir si la venue du Seigneur est annoncée? Oh. Des recherches? Où est-ce qu'on chercherait? C'est une très bonne idée. Nous pourrions nous organiser. En effet, oui. Le Seigneur Jésus a dit, au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Donc lorsque le Seigneur est là, les gens répandent la nouvelle et témoignent de sa venue. C'est vrai. Si quelque part quelqu'un témoigne de son retour, nous saurons qu'il est là. Oui. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il n'y a pas longtemps, des membres de l'éclair oriental ont pu témoigner à plusieurs reprises du retour du Seigneur Jésus, revenu exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Ça correspond à ce qui est écrit dans la Bible, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Je me demande si l'éclair oriental est vraiment la manifestation et l'œuvre du Seigneur. Peut-être. Oui, pourquoi pas. Ça ne paraît pas si insensé. Que l'éclair oriental soit la manifestation et l'œuvre du Seigneur? Non, c'est impossible. Matthieu, chapitre 24, paragraphes 29 et 30. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Amen. La Bible nous le précise, le Seigneur reviendra sur un nuage. Oui, c'est vrai. Et le jour de son retour, il y aura de grands événements. À ce moment-là, le soleil s'assombrira, la lune n'émettra plus de clarté et le ciel et la terre trembleront. Amen. Amen. Et ces signes-là, ils sont apparus quelque part? Non. Non. On n'a pas vu le Seigneur descendre sur un nuage. Pas que je sache. Non, mais ça n'a pas été rapporté. Donc, puisque nous n'avons rien vu de tout ça, comment peut-on dire qu'il est revenu? Le Seigneur est fidèle et il tient toujours ses promesses. Amen. Amen. Il faut faire preuve de patience et attendre qu'il nous emmène dans le royaume des cieux. Il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est vrai. Oui, je suis d'accord. Oui. Elle a raison. Nous devrions être plus... L'éclair oriental a témoigné que le Seigneur Jésus était revenu. Mais en tant que Fils de l'homme, incarné, revenu pour effectuer l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Ce n'est pas la même chose que la prédiction de la Bible, où il descend sur un nuage. Oui. La naissance de l'éclair oriental a ébranlé toute la communauté religieuse. Ça a été un tel choc que son influence a une portée mondiale. Dans tous les cultes et toutes les confessions en Chine, il y a un grand nombre de fidèles qui croient maintenant à l'éclair oriental. Oui. J'y ai beaucoup réfléchi. L'éclair oriental est-il la manifestation et l'œuvre de Dieu? Si c'est la manifestation et l'œuvre de Dieu, quelle prophétie du Seigneur Jésus réalise-t-il? Pourquoi ça diffère des prophéties concernant le retour du Seigneur descendant sur un nuage? Je suis perplexe. Tout ça est pour moi une énigme. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est vrai que c'est dur. Tu as raison. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'échanges fraternels. Oui, l'éclair oriental s'est développé extrêmement vite. Ça aussi, c'est un grand mystère. L'éclair oriental s'est développé très rapidement et a une grande influence. Mais beaucoup de pasteurs et d'anciens du monde religieux condamnent l'éclair oriental et l'accusent d'hérésie. D'ailleurs, même le gouvernement s'en est pris à l'éclair oriental pour le faire interdire. Pour moi, ça prouve que l'éclair oriental ne peut pas être le vrai chemin. Sinon, comment les pasteurs et les anciens pourraient-ils lui résister? Ils connaissent parfaitement la Bible et en offrent souvent des interprétations. Il a raison, oui. Si vous voulez mon avis, on devrait faire comme les autres cercles religieux, attendre que le Seigneur descende sur un nuage. Là, on ne pourra pas se tromper. Non, n'entrez pas ici. Police, restez où vous êtes. Tout le monde s'accomplit. Pas derrière la tête, ça ne me suffit. Qu'est-ce que vous faites?
Que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Routien! C'est bon, capitaine, routien! Fouillez tout! Mais enfin, qu'est-ce qu'on vous a fait? Ne pose pas de questions! Hé! Hey, je t'ai dit de pas bouger! Vous avez une commission rogatoire? Pardon? Tu veux que je te montre ma commission rogatoire? La voilà! Je serai toi, j'éviterai de la ramener. T'as vu à qui tu t'adresses? Cet uniforme vaut toutes les autorisations. Et ça, c'est le mandat d'arrêt. Menottez-le! Toi, je veux pas t'entendre prier! Alors, les fanatiques de Dieu, on vous a pourtant prévenu. Croire est interdit, tout comme organiser des réunions secrètes. Mais vous avez la tête dure et vous vous obstinez. Sauf que cette fois, vous serez jugé et mis en prison. Emmenez-les! Bien, chef! Allez, avance! Non. Dépêche-toi! Allez, dépêche-toi! Avance! Avance! Si, il y en a! Ah, tiens, regarde. Inspection! Entre. Écoutez-moi tous, on a un nouveau. Encore un fanatique de Dieu. Cet homme est chrétien. Alors gardez-le à l'œil. Ne le laissez pas prier. Et surtout, ne le laissez pas faire de prosélytisme. S'il vous parle de Dieu ou s'il prie, prévenez-moi immédiatement. C'est bien clair? Oui, chef! Ne le quitte pas des yeux. D'accord, je le surveille. Vous pouvez compter sur moi. Tu dormiras là. Allez, installe-toi. Ce mois-ci. Je sais pas qu'elle va bien s'amuser avec lui. Ben allez, qu'est-ce que t'attends? Tu peux pas regarder où tu vas? Comment tu t'appelles? T'as pris combien d'années? Hé! Non mais t'es sourd ou quoi? Tu réponds quand le patron te pose une question. Fais voir ton badge. Chen Xiang Wang, condamné à 4 ans de travaux forcés. Tiens patron, regarde. 4 ans de prison parce qu'il croit en Dieu? Non mais c'est pas un criminel. Vous trouvez pas ça cher payé? Tu parles. C'est même léger comme peine. Il peut s'estimer heureux. Zhao croit à Dieu Tout-Puissant, il a pris 7 ans. C'est pas vrai, Zhao? Plus vite! Plus vite! T'as un problème? Ça, c'est ce que tu dois au patron. On va pas y passer la journée. Allez, remuez-vous.
Allez, entrez là-dedans. Et tenez-vous tranquille, c'est compris? Accroupis-toi. Accroupis-toi, je te dis. Alors comme ça, vous continuez de parler de religion ici, hein? Vous voulez mourir ou pas? Yangmei. Prends le téléphone. Inquiète-toi, on en reparlera après. Ça va? Tu m'as manqué. Vous m'avez tellement manqué. Dieu Tout-Puissant dit « Ne te laisse pas abattre, ne sois pas faible, je me révélerai à toi. Le chemin vers le royaume ne peut pas être de tout repos. Rien ne vient aussi facilement. Tu veux faire ton entrée vers les bénédictions, n'est-ce pas ? Chacun aujourd'hui doit être éprouvé par la souffrance. Sinon, votre amour pour moi ne sera pas plus fort. Et votre amour pour moi ne sera pas réel. Même si c'est peu de circonstances, tout le monde doit y passer. C'est juste à des degrés différents. Ceux qui goûtent à mon amertume goûteront assurément à ma douceur. Telle est ma promesse, et telles sont mes bénédictions pour vous. Ainsi, au cours de ces derniers jours, vous devez rendre témoignage à Dieu. Quelle que soit votre souffrance, vous devrez aller jusqu'à la fin, et même à votre dernier souffle. Vous devez toujours être fidèle à Dieu et à la merci de Dieu. C'est ce qui est d'aimer véritablement Dieu. Et seulement cela est le témoignage fort et retentissant. Amen.
Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont toujours judicieuses et réconfortantes. Quand je les lis, je me sens apaisé. Elles me remplissent de foi et de force. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont réellement la vérité. Tiens, voilà ton rouleau. Dieu Tout-Puissant dit « Depuis plusieurs milliers d'années, l'homme aspire à être témoin de l'arrivée du Sauveur. L'homme a très envie de voir Jésus, le Sauveur, sur une nuée blanche, comme il descend en personne parmi ceux qui sont accrochés à lui et ont soif de lui depuis des milliers d'années. » L'homme meurt d'envie de voir le Sauveur revenir et se retrouver avec le peuple. C'est-à-dire que Jésus, le Sauveur, revienne parmi le peuple dont il a été séparé pendant des milliers d'années. Depuis le départ de Jésus, les disciples qui le suivaient et tous les saints qui ont été sauvés grâce à son nom se sont désespérément accrochés à lui et l'attendent. Tous ceux qui ont été sauvés par la grâce de Jésus-Christ pendant l'ère de la grâce ont attendu ce jour joyeux pendant les derniers jours, lorsque Jésus, le Sauveur, arrive sur une nuée blanche et apparaît parmi les hommes. Bien sûr, c'est aussi le souhait collectif de tous ceux qui acceptent aujourd'hui le nom de Jésus, le Sauveur. Dans tout l'univers, tous ceux qui connaissent le salut de Jésus, le Sauveur, ont désespérément désiré l'arrivée soudaine de Jésus-Christ pour accomplir les paroles de Jésus sur terre. « Je viendrai comme je suis parti. » Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont trouvé un écho dans mon cœur. Pendant toutes ces années où j'ai cru au Seigneur, j'ai toujours ardemment désiré sa venue de cette manière. L'homme pense qu'après la crucifixion et la résurrection, Jésus retourna au ciel sur une nuée blanche et prit sa place à la droite du Très-Haut. De même, l'homme conçoit que Jésus descendra encore une fois sur une nuée blanche. Ce nuage se réfère au nuage sur lequel Jésus est monté quand il est retourné au ciel. Parmi ceux qui l'ont désespérément désiré pendant des milliers d'années, et qu'il ressemblera et portera les vêtements des Juifs. Après avoir apparu à l'homme, il leur donnera de la nourriture et fera jaillir de l'eau de vie pour eux, et vivra parmi les hommes, plein de grâce et d'amour, vivant et réel, etc. Pourtant, Jésus le Sauveur n'a pas fait cela. Il a fait le contraire de ce que l'homme a imaginé. Il n'est pas arrivé parmi ceux qui avaient désiré son retour. Et n'a pas apparu à tous les hommes sur la nuée blanche. Il est déjà arrivé, mais l'homme ne le connaît pas.
et ignore son arrivée. L'homme l'attend seulement sans but. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont révélé à quel point je désire ardemment l'arrivée du Seigneur. Ces paroles sont la vérité. Elles sont des expressions du Saint-Esprit. Se peut-il que Dieu Tout-Puissant soit vraiment le Seigneur Jésus revenu? Je n'arrive pas à y croire. Si le Seigneur était vraiment revenu, il aurait dû le faire avec gloire et puissance en descendant sur un nuage. En outre, le ciel et la terre auraient tremblé, et le soleil et la lune auraient cessé de briller. Jusqu'ici, de tels phénomènes ne se sont pas manifestés. Donc, comment peut-on dire que le Seigneur Jésus est déjà revenu? Je suis toujours aussi perdu. T'aider à planter le poteau. Oui, d'accord. Tu voulais me voir? Oui. La question que tu te poses aujourd'hui, l'ensemble du monde religieux se l'est posée. Moi aussi, je pensais comme toi avant. Plus tard, j'ai vu quelqu'un rendre témoignage de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Et là, j'ai compris qu'on s'était trompé sur la manière dont le Seigneur doit revenir parmi nous. En quoi on s'est trompé? Nous imaginons son retour en nous basant sur la prophétie de sa descente sur un nuage. Mais nous avons ignoré les autres prophéties. C'est là que nous avons fait une grave erreur. Plusieurs parties de la Bible contiennent des prophéties sur le retour du Seigneur. Tu les connais, je suppose. Et il y en a une qui dit « Voici, je viens comme un voleur. » Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Et dans l'Apocalypse, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Exact. Et dans Luc, chapitre 17, « Comme l'éclair resplendit et brille, d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ces prophéties annoncent que le Seigneur reviendra comme un voleur. Il sera le Fils de l'homme, il parlera aux gens et frappera à leur porte pour se joindre à eux. Est-ce que ça explique qu'en plus du retour public du Seigneur dans les nuées, il reviendra aussi de manière secrète? De manière secrète? Si nous sommes persuadés du retour en public du Seigneur dans les nuées, alors comment pourraient se réaliser les prophéties concernant le retour secret du Seigneur? Réfléchis-y. Lors de sa descente sur un nuage, de nombreux présages se manifesteront. Le soleil et la lune ne brilleront plus. Les étoiles tomberont du ciel, le ciel et la terre trembleront. T'imagines le spectacle, ce sera à couper le souffle. Ce sera tellement extraordinaire que tout le monde le verra. Alors comment les autres prophéties, qui parlent de la manière discrète dont il reviendra, pourraient-elles se réaliser? Quand il reviendra sur un nuage, tout le monde le verra. Il n'y aura pas besoin d'en témoigner. Voici l'époux aller à sa rencontre. Le Seigneur a aussi dit, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Je me demande aussi comment cette prophétie va se réaliser. D'ailleurs, il y a beaucoup de prophéties dans la Bible. Hey, va chercher le poteau. Allez, venez chez vous.
Selon beaucoup de prophéties de la Bible, le Seigneur reviendra dans les derniers jours pour accomplir certaines œuvres. Par exemple, l'œuvre du jugement commencera par la maison de Dieu. Il ouvrira le parchemin et brisera les sept sceaux. Et il y a aussi la moisson et le vannage. Et séparer les gens selon ce qu'ils sont. Comme on sépare le bon grain de l'ivraie, les bons serviteurs des mauvais. Si le Seigneur se présentait dans sa gloire en descendant d'un nuage, pour que tout le monde le voie, ce serait le corps spirituel du Seigneur Jésus ressuscité qui apparaîtrait à l'humanité. Il est évident que les gens tomberaient à terre pour le suivre et lui obéir. Qui pourrait lui résister? Ainsi donc, comment distinguer les brebis des boucs et les bons grains de l'ivraie? Comment le travail de la moisson et du vannage serait-il accompli? C'est une bonne question. J'avoue que je n'y avais jamais pensé. Oui. Il y a beaucoup de prophéties dans la Bible sur le retour du Seigneur. En partant du principe qu'on écarte les autres prophéties et que l'on se réfère à une ou deux parties de la Bible pour définir son retour. Comme lui descendant sur un nuage blanc, ça limite notre vision des choses. Du coup, nous risquerions de rater la chance d'accueillir son retour et que le Seigneur nous rejette. Hé, hey, là-bas, celui qui est accroupi. Oui, toi, apporte des poteaux derrière. Dépêche-toi! L'échange d'aujourd'hui avec le frère Zao était vraiment enrichissant. J'ai peut-être envisagé le retour du Seigneur de manière trop simpliste. Il y a tant de prophéties sur son retour dans la Bible. Mais je n'y avais pas réfléchi avec assez d'acuité, et j'avais juste défini la façon dont le Seigneur reviendrait. C'est ma faute pour ne pas avoir recherché la vérité dans les paroles du Seigneur. J'ai suivi aveuglément les pasteurs et les anciens, et m'en suis tenu aux prophéties du Seigneur descendant sur un nuage. J'ai été paresseux. Tu peux y aller. Vas-y. Avant, j'étais comme toi. Je n'envisageais son retour que par sa descente sur un nuage. La lumière que je partage est le fruit de ce que j'ai compris depuis que j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. La Bible a dit que le Seigneur reviendrait comme un voleur, et elle annonce, au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. La manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant ont réalisé ces prophéties. De l'extérieur, Dieu Tout-Puissant a l'air d'une personne ordinaire. Dieu Tout-Puissant parle depuis son état d'humanité normale. On ne pourrait jamais se douter qu'il est la manifestation et l'œuvre du Seigneur. Je vois, il passerait inaperçu. Voilà qui concrétise la prophétie qui annonce son retour comme un voleur. Oh, rendons grâce au Seigneur. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Cette prophétie-là se rapporte encore à la manifestation et à l'œuvre de Dieu qui se propage dans toutes les confessions, comme le ferait un voleur. Personne n'aurait pu s'en rendre compte. Ces prédicateurs portent témoignage de ses paroles à ceux qui recherchent sa manifestation et guettent son retour le cœur plein d'espoir. C'est le Seigneur qui frappe à la porte. Gloire au Seigneur, tout s'explique. Oui. Depuis la manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, il n'a rencontré que poursuites et persécutions de la part du gouvernement chinois. Il a subi le rejet, l'opposition et la condamnation du monde religieux. Il y a même eu plusieurs démons et esprits maléfiques qui ont eu l'audace de l'attaquer et de blasphémer Dieu Tout-Puissant sur le net. Encore une prophétie du Seigneur qui se réalise. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération.
S'il était descendu sur un nuage, comme décrit dans la prophétie, alors les ivrés, les boucs, les serviteurs du mal et les antéchrists tomberaient certainement à terre et accepteraient Dieu Tout-Puissant. Comment on ferait pour les démasquer? Je crois même que les démons du parti et tous les incroyants accepteraient Dieu Tout-Puissant. Et ce serait le chaos ici-bas. Comment est-ce que Dieu ferait pour accomplir son œuvre? C'est donc uniquement s'il est incarné comme le Fils de l'homme pour accomplir son œuvre que les prophéties du Seigneur Jésus, y compris sur l'œuvre du Seigneur après son retour dans les derniers jours, pourront être accomplies. Oui. Remercions le Seigneur. Finalement, les prophéties qui annoncent son retour en secret se sont accomplies. Je ne le savais pas. J'attendais son retour sur un nuage, persuadé qu'il m'emmènerait dans son royaume. Je ne me savais pas abandonné par le Seigneur. Idiot que je suis. Je crois que, tant que les prophéties ne se sont pas réalisées, on ne peut pas les comprendre. Elles sont beaucoup trop complexes. Il faut accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours pour être sauvé. Si on n'accepte pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, on ne comprendrait pas ses prophéties. Dieu Tout-Puissant est venu pour exprimer toutes les vérités, pour purifier et pour sauver l'humanité. Ses ouailles écoutent sa voix. Et toutes les vierges sages, quelle que soit leur confession, entendent chaque parole de vérité que Dieu Tout-Puissant exprime et comprennent qu'il s'agit de la voix de Dieu. Alors tous les peuples se tournent vers lui. L'enlèvement commence ainsi. Ils ont été enlevés devant le trône de Dieu et vécu le jugement et le châtiment devant le trône du Christ. Ce seront les premiers purifiés. Ils feront partie du groupe des vainqueurs et seront les premiers fruits de son jugement. Voilà qui concrétise cette autre prophétie de l'Apocalypse. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Car ils sont irrépréhensibles. Amen. Dès qu'il sera revenu en secret et que le groupe de vainqueurs sera formé, sa grande œuvre sera achevée. Et c'est alors qu'il descendra sur un nuage et apparaîtra devant tous les peuples de la terre. C'est là que les grands événements du retour du Seigneur vont se produire. C'est la prophétie qu'on trouve dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Ce sera la scène du Seigneur descendant devant tout le monde sur un nuage. Tous les regards seront tournés vers lui. Et même certains de ceux qui avaient condamné Dieu Tout-Puissant et lui avaient résisté pourront le voir descendre sur un nuage. Et c'est pourquoi toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. C'est ça. Il est évident que Dieu a un plan et qu'il accomplit les choses par étapes. Oui, tu as raison. Les prophéties du retour du Seigneur ont été réalisées, excepté une seule. Celle où il est dit qu'il va descendre à la vue de tous sur un nuage après le désastre. Est-ce que tu as compris maintenant? Oui, j'ai compris et je te remercie. Remercie le Seigneur. Ah, s'il n'y avait pas eu Dieu pour me guider, je ne sais pas où j'en serais à présent. Dieu Tout-Puissant dit « Beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis. Mais je veux toujours dire à chaque soi-disant saint qui suit Jésus que quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour toi. Mais tu dois savoir que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel
est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera l'annonce de la fin du plan de gestion de Dieu, et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira les méchants. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voie des signes, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas des signes, et donc ont été purifiés, iront devant le trône de Dieu et entreront dans les bras du Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ seront soumis à un châtiment éternel. Car ils ne croient qu'au Jésus qui manifeste des signes, mais ne reconnaissent pas le Jésus qui proclame le jugement sévère et libère la vraie voie de la vie. Et donc, il est certain que Jésus s'occupera d'eux quand il reviendra ouvertement sur une nuée blanche. Ils sont trop têtus, trop confiants en eux-mêmes, trop arrogants. Comment ces dégénérés pourraient-ils être récompensés par Jésus? Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être quelqu'un d'ignorant et d'arrogant, mais quelqu'un qui obéit à la direction du Saint-Esprit, qui désire et cherche la vérité. Ce n'est que de cette manière que vous en profiterez. Toutes ces années où j'ai cru au Seigneur, j'ai toujours suivi les tendances du monde religieux. Je me suis nourri de fausses impressions et d'idées imaginaires en attendant que le Seigneur descende sur un nuage et m'emmène dans son royaume. Je n'avais jamais envisagé que le Seigneur puisse être déjà revenu dans la chair pour exprimer des vérités tout en accomplissant l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Cette idée ne m'est jamais venue à l'esprit. Donc j'ai fini par espérer son retour, mais en fait, je le niais, je le rejetais. Je suis vraiment aveugle et je ne connais pas Dieu. Si je n'avais pas bénéficié de la miséricorde du Seigneur et de ses merveilleux arrangements qui m'ont permis d'entendre sa voix, j'aurais manqué l'opportunité d'être emmené au royaume des cieux. Je remercie vraiment Dieu. Maintenant, j'accepte Dieu Tout-Puissant et je le prie. Je vais lire avec attention, la parole apparaît dans la chair exprimée par Dieu Tout-Puissant dès ma sortie de prison. Je vais consacrer ma vie au témoignage de Dieu Tout-Puissant et encourager mes frères et mes sœurs à accepter l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Je ne sais pas, il faut que je voie. Des gens de l'Église de Dieu Tout-Puissant vont se joindre à nous. Il faut être vigilant. Au moindre problème, préviens-nous. D'accord. Il y a des frères et sœurs postés à tous les carrefours. Si on voit quelque chose, on t'appelle. T'en fais pas pour ta réunion. Voici vos brioches. Merci. Bien, merci. Merci beaucoup. Je suis tellement heureux. Je suis ravie de la vie exceptionnelle. Oui, quelle chance. Hé, ça commence, regardez. L'apparition de Dieu a apporté une nouvelle ère.
Le plan de gestion de 6000 ans de Dieu prend fin. Et la porte du règne a été ouverte à tous ceux qui cherchent l'apparition de Dieu. Chers frères et sœurs, qu'attendez-vous? Que cherchez-vous? Attendez-vous l'apparition de Dieu? Recherchez-vous les empreintes de Dieu? Combien l'apparition de Dieu est-elle désirée? Et combien il est difficile de trouver les empreintes de Dieu? Dans une ère comme celle-ci, dans un monde comme celui-ci, que devons-nous faire pour être témoins du jour où Dieu apparaîtra? Que devons-nous faire pour suivre les empreintes de Dieu? Tous ceux qui attendent l'apparition de Dieu se posent de telles questions. Vous les avez toutes considérées plus d'une fois, mais avec quel résultat? Où Dieu apparaît-il? Où sont les empreintes de Dieu? Avez-vous obtenu des réponses? La réponse de beaucoup de gens serait la suivante. Dieu apparaît parmi ceux qui le suivent, et ses empreintes sont parmi nous. C'est aussi simple que cela. N'importe qui peut fournir une réponse stéréotypée. Mais comprenez-vous ce qu'est l'apparition de Dieu et ce que sont les empreintes de Dieu? L'apparition de Dieu signifie son arrivée en personne sur la terre pour réaliser son œuvre. Avec sa propre identité et son tempérament, et dans sa méthode inhérente, il descend parmi les hommes pour conduire l'œuvre d'inauguration d'une ère et de clôture d'une ère. Ce genre d'apparition n'est pas une forme de cérémonie. Ce n'est pas un signe, une image, un miracle, une vision grandiose, et encore moins une sorte de processus religieux. C'est un fait réel et vrai qui peut être touché et observé. Ce genre d'apparition n'est pas dans le but de suivre un processus ou en vue d'une œuvre à court terme. C'est plutôt pour une étape d'œuvre dans son plan de gestion. L'apparition de Dieu est toujours significative et est toujours liée à son plan de gestion. Cette apparition est complètement différente de l'apparition de la conduite, de la direction et de l'illumination de Dieu pour l'homme. Dieu accomplit une étape de sa grande œuvre chaque fois qu'il se révèle. Cette œuvre est différente de celle d'une autre ère. Elle est inimaginable pour l'homme et n'a jamais été expérimentée par l'homme. C'est une œuvre qui inaugure une nouvelle ère et termine l'ancienne ère. Et c'est une forme nouvelle et améliorée d'œuvre pour le salut de l'humanité. De plus, il s'agit d'introduire l'homme dans la nouvelle ère. C'est la signification de l'apparition de Dieu. C'est bon, maintenant je comprends. Puisque nous cherchons les empreintes de Dieu, nous devons rechercher la volonté de Dieu, les paroles de Dieu, les déclarations de Dieu. Car là où il y a les nouvelles paroles de Dieu, il y a la voix de Dieu. Et là où il y a les empreintes de Dieu, il y a les actions de Dieu. Là où il y a l'expression de Dieu, il y a apparition de Dieu. Et là où il y a apparition de Dieu, la vérité, le chemin et la vie existent. C'est vrai. Pendant que vous êtes à la recherche des empreintes de Dieu, vous n'avez pas conscience des paroles que Dieu est la vérité, le chemin et la vie. Donc, quand beaucoup de personnes reçoivent la vérité, ils ne croient pas qu'ils ont trouvé les empreintes de Dieu et reconnaissent encore moins l'apparition de Dieu. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut être conciliée avec les conceptions de l'homme. Et encore moins Dieu peut-il apparaître à la demande de l'homme. Dieu fait ses propres choix et a ses propres plans quand il fait son travail. De plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Il n'est pas nécessaire pour lui de discuter du travail qu'il fait avec l'homme.
ou de demander l'avis de l'homme, et encore moins d'avertir chaque personne. C'est le tempérament de Dieu. Et de plus, il devrait être reconnu par tout le monde. Si vous désirez voir l'apparition de Dieu, si vous souhaitez suivre les empreintes de Dieu, alors vous devez d'abord transcender vos propres conceptions. Vous ne devez pas exiger que Dieu fasse ceci ou cela. Et encore moins, si tu le places dans tes propres limites et le limites à tes propres conceptions. Au lieu de cela, on devrait demander comment chercher les empreintes de Dieu, comment accepter l'apparition de Dieu et comment se soumettre à la nouvelle œuvre de Dieu. C'est ce qui doit être fait par l'homme. Puisque l'homme n'est pas la vérité et ne possède pas la vérité, l'homme doit chercher, accepter et obéir. Amen. Amen. Alors, ces paroles sont très claires. Elles expliquent très bien le chemin vers la manifestation de Dieu et de son œuvre. On n'avait jamais entendu une chose pareille. C'est très beau et ces paroles sont pleines de lumière. C'est vrai, je trouve aussi. Si vous êtes d'accord, on pourrait lire quelques passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. Ouvrez à la page 3. Dieu Tout-Puissant dit: celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'essence de Dieu. Et celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit manifester l'œuvre qu'il doit faire. Et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est. Et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à l'homme. La chair qui ne contient pas l'essence de Dieu n'est sûrement pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Pour savoir si c'est la chair du Dieu incarné, l'homme doit le déterminer à partir du tempérament qu'il exprime, ainsi que par ses paroles. Autrement dit, l'on devrait s'appuyer sur son essence pour savoir si oui ou non c'est la chair de Dieu incarné, et si oui ou non c'est le vrai chemin. Et ainsi, en déterminant si oui ou non c'est la chair de Dieu incarné, l'important est de prêter attention à son essence, son œuvre, ses paroles, son tempérament et beaucoup plus, plutôt que sur l'apparence extérieure. Le Dieu incarné met un terme à l'ère où seul le dos de l'Éternel était visible pour l'humanité, et termine aussi l'ère de la croyance de l'humanité en un Dieu vague. En particulier, le travail de la dernière incarnation de Dieu amène toute l'humanité dans une ère qui est plus réaliste, plus pratique et plus agréable. Amen. Non seulement il termine l'ère de la loi et de la doctrine, mais plus important encore, il expose à l'humanité un Dieu qui est réel et normal, qui est juste et saint, qui révèle l'œuvre du plan de gestion et qui démontre les mystères et la destination de l'humanité, qui a créé l'humanité, qui met fin à l'œuvre de gestion et qui est resté caché pendant des milliers d'années. Il mène l'ère de ce qui est vague à sa fin complète. Il termine l'ère durant laquelle toute l'humanité voulait voir la face de Dieu, mais ne le pouvait pas. Il met fin à l'ère où l'humanité entière servait Satan et conduit l'ensemble de l'humanité jusqu'au bout dans une nouvelle ère. Tout ceci est le résultat de l'œuvre de Dieu dans la chair et non l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est bon, grâce à Dieu. C'est beau. Remercions Dieu. Ma sœur, je voudrais lire un passage. Bien sûr. Quand Jésus vint parmi les hommes, il inaugura l'ère de la grâce et acheva l'ère de la loi. Pendant les derniers jours, Dieu devint chair une fois de plus. Et quand il devint chair cette fois, il acheva l'ère de la grâce et inaugura l'ère du règne. Tous ceux qui acceptent la seconde incarnation de Dieu seront conduits dans l'ère du règne et pourront accepter personnellement la direction de Dieu. Bien que Jésus ait abattu une œuvre immense parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité.
et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Et il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Pour sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan, il n'a pas suffi que Jésus se livre en sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes. Mais il a fallu également que Dieu s'emploie davantage à débarrasser l'homme totalement de son tempérament qui avait été corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Amen. Amen. Je n'ai jamais rien lu d'aussi beau. Les paroles de Dieu Tout-Puissant. Elles viennent sûrement du Saint-Esprit. C'est vraiment magnifique. Que pensez-vous des paroles de Dieu Tout-Puissant ? Je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau. Grâce soit rendue à Dieu. En attendant le retour du Seigneur, nous devons suivre ses pas. Le Seigneur Jésus a dit « Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Amen. Il est dit dans l'Apocalypse « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Amen. Donc, pour suivre les pas de Dieu, nous devons écouter ce qu'a dit le Saint-Esprit et entendre la voix de Dieu. C'est la seule façon d'accueillir l'apparition de Dieu. Oui. Les paroles de Dieu Tout-Puissant expliquent bien l'apparition et l'œuvre de Dieu. Réfléchissez-y. Si ces paroles n'étaient pas du Saint-Esprit, est-ce qu'on pourrait les comprendre ? Je ne crois pas. Oui, c'est exact, en effet. En dehors de Dieu, qui prononcerait de telles paroles ? Qui pourrait révéler autant de vérité ? Qui nous donnerait de manière aussi claire la signification de la manifestation de Dieu ? Personne d'autre que Dieu. Et uniquement Dieu. Tu as raison, oui, c'est uniquement Dieu. Dieu Tout-Puissant est le Fils de l'homme incarné qui s'est montré à œuvrer et parler, exprimant des vérités et dévoilant les mystères de l'œuvre de Dieu. Oui. Si on peut admettre que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont les paroles du Saint-Esprit, si vous voulez bien y réfléchir, comment le Saint-Esprit peut parler par l'intermédiaire de quelqu'un ? N'est-ce pas le Saint-Esprit qui s'incarne pour parler ? Ça doit être ça. Tout comme le Seigneur Jésus était le Saint-Esprit incarné. Quand il est apparu et a œuvré, le Saint-Esprit a parlé et lui a rendu témoignage. Ce n'est pas une petite affaire. Exact. Oui. Quand le Seigneur Jésus est apparu, bien des gens ont entendu ses paroles et ont pensé qu'elles avaient beaucoup de pouvoir. Mais ils l'ont quand même rejeté. Et avant de reconnaître qu'il était le Seigneur, qu'il était le Christ, les gens ont dû découvrir que les paroles prononcées par le Seigneur Jésus n'étaient que vérité et que nul homme ne pouvait les accomplir. Et c'est ainsi qu'ils ont pu reconnaître la manifestation et l'œuvre du Fils de l'homme. Ah, d'accord. C'est pourquoi nous devons prier Dieu et rechercher l'éclairage du Saint-Esprit. Là, nous aurons des résultats. C'est très juste. Remercions le Seigneur. Les paroles de Dieu Tout-Puissant expliquent comment identifier l'apparition de Dieu. Mm. Nous pourrions en lire un extrait. Mm. Avec joie. Dieu Tout-Puissant dit « L'apparition de Dieu signifie son arrivée en personne sur la terre pour réaliser son œuvre, avec sa propre identité et son tempérament. Et dans sa méthode inhérente, il descend parmi les hommes pour conduire l'œuvre d'inauguration d'une ère et de clôture d'une ère. » Amen. Repensez à l'époque où le Seigneur Jésus s'est manifesté et a accompli son œuvre. À ce moment-là, il l'a accompli en devenant chair et en descendant parmi les hommes, n'est-ce pas ? N'est-il pas venu sous l'identité de Dieu pour exprimer son tempérament ? Oui. C'est tout à fait ça. C'est ce qui s'est passé. Et l'enseignement que nous pouvons en tirer, c'est que la manifestation et l'œuvre de Dieu sont des choses concrètes. En plus, elles ne sont pas aussi simples et surnaturelles qu'on l'imagine. Cette manifestation, ce n'est pas comme lorsque Dieu a parlé à Moïse à travers les flammes, ni comme lorsqu'il s'est adressé à Job à travers la tempête, ni comme quand le Seigneur Jésus est apparu dans son corps spirituel. Donc, en résumé, la manifestation de Dieu se rapporte à Dieu lui-même venu sur terre dans la chair, s'exprimant avec l'identité de Dieu, exprimant des vérités, exprimant son tempérament, accomplissant l'œuvre de racheter et de sauver l'humanité. Il est venu ouvrir une nouvelle ère et mettre fin à l'ancienne. Oui, c'est ça. Ça
Ça me paraît voilà tellement plus simple, mais tellement important. Maintenant, je comprends comment Dieu se manifeste. Lorsque le Seigneur Jésus est descendu accomplir son œuvre, il a parlé et vécu parmi les hommes avec l'identité de Dieu. Il a exprimé son tempérament de miséricorde et d'amour, et il s'est fait crucifier pour l'homme. Il a œuvré pour le rachat de l'humanité. Il a entamé l'ère de la grâce et a mis fin à l'ère de la loi. C'est bien la manifestation et l'œuvre de Dieu incarné qui est venue parmi les hommes, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On ne peut pas en douter un seul instant. C'est exactement ça. Le Seigneur Jésus est revenu dans les derniers jours. C'est Dieu Tout-Puissant incarné dans la chair. Il parle et exprime la vérité et le tempérament juste de Dieu sous l'identité de Dieu. Il est venu pour purifier et sauver l'humanité. Le jugement commence par la maison de Dieu. Il conduira les gens dans le royaume de Dieu et mettra fin à l'ancienne ère. C'est la manifestation et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Pour moi aussi, la manifestation et l'œuvre de Dieu sont concrètes. On n'aurait jamais pu le comprendre toute seule. Remercions Dieu. Avant, nous ne comprenions pas comment Dieu se manifestait. On n'avait pas compris sa signification. Nous faisions une erreur en définissant le Seigneur. Déjà parce que nous croyions qu'il descendrait sur un nuage dans la gloire et apparaîtrait à tous les peuples. L'Église de Dieu Tout-Puissant a témoigné du retour du Seigneur Jésus pour œuvrer et exprimer la vérité. Mais nous n'avons même pas voulu savoir si c'était vrai. Parce que nous nous obstinions à croire qu'il descendrait sur un nuage pour nous enlever dans les cieux, nous avons été si entêtés et si aveugles. Je ne pouvais pas imaginer que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant était commencée depuis longtemps. Qu'il avait exprimé tant de vérités du jamais vu. Je sais, oui. Nous avons failli manquer notre chance d'accueillir le Seigneur et d'être enlevés avant le désastre. Oui. Notre imagination et notre entêtement sont des pièges. Tout à fait, oui. Il a raison. Quand on veut croire quelque chose, on s'en persuade. Exactement. On a perdu du temps. On contemplait les nuages en espérant son retour. Et pendant ce temps, on n'écoutait pas la voix du Seigneur, ni ce que dit le Saint-Esprit. Quel manque de clairvoyance! Une chance qu'on ait lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Autrement, on attendrait encore, perdu dans notre obscurité. Où entendre la voix de Dieu, sinon? Oui, heureusement. Grâce soit rendue à Dieu. Pour trouver la manifestation et l'œuvre de Dieu, nous devons rechercher la vérité à travers la voix de Dieu. C'est vrai, ça me paraît être tout à fait raison. Et nous savons que l'Église de Dieu Tout-Puissant témoigne que le Seigneur est venu accomplir son œuvre dans les derniers jours. C'est la prophétie du Seigneur Jésus. Voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Remercions Dieu. Rendons-lui grâce. Nous lisions la Bible depuis des années, mais nous ne l'avions jamais comprise. C'est vrai. J'ai étudié l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et j'ai entendu la voix de Dieu. Maintenant, je comprends ses prophéties. Oui. Ce sont les grâces que Dieu nous réserve. Selon ses plans. C'est le Saint-Esprit qui nous guide sur le bon chemin. C'est ça. Exact, oui. Merci à Dieu de nous guider. Rendons-lui grâce. Attends, tu prétends que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont celles de Dieu? Je ne le vois pas comme ça. Je crois que c'est plutôt l'éclairage du Saint-Esprit. Si Dieu Tout-Puissant était réellement le Seigneur Jésus revenu dans la chair, vous ne croyez pas qu'il nous aurait déjà enlevés? Or, on n'a vu personne être emmené dans les cieux. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Elles sont concrètes et précieuses, bien sûr. Mais Dieu Tout-Puissant est-il réellement la manifestation et l'œuvre du Seigneur? J'avoue que je n'y comprends absolument rien. Moi non plus. Je ne crois pas que Dieu Tout-Puissant puisse être la manifestation du Seigneur. Si Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu, nous serions les premiers à être enlevés. Nous croyons au Seigneur depuis des années. Nous attendons qu'il revienne. Nous prions nuit et jour pour son retour. Nous nous dépensons et nous travaillons dur pour lui. Et nous avons beaucoup souffert. Si Dieu Tout-Puissant était la manifestation et l'œuvre du Seigneur, pourquoi il ne nous aurait pas enlevés en premier? Pourquoi choisir l'éclair oriental? C'est totalement injuste. C'est vrai. Si le Seigneur était revenu sur terre, il nous aurait d'abord emmenés. Il nous aurait récompensés. Autrement, nous ne pouvons absolument pas accepter la voie de l'éclair oriental. Oui. Frère Louo, sœur Ma, vous dites que si le Seigneur était revenu, il vous aurait enlevé en premier. Ces paroles sont-elles inscrites dans la Bible? Dieu vous aurait-il fait une promesse?
tellement de gens, de cultes et de confessions différentes croient au Seigneur. Alors pourquoi vous enlèverait-il en premier? Est-ce que vous êtes Pierre? Ce n'est pas un peu arrogant de votre part? Il est dit dans le livre des Proverbes, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute ». Le Seigneur Jésus a dit, « Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers ». Amen. Je n'avais jamais compris ces paroles. Et là, je vois à quel point elles sont judicieuses et elles se sont entièrement réalisées. Les premiers à être enlevés sont les vierges sages qui ont reconnu la voix du Seigneur et qui sont les premières à avoir accepté sa manifestation. Tu as raison. Tous ceux qui, au lieu d'écouter la voix du Seigneur, contemplent les nuages dans le ciel sont les vierges folles. C'est très vrai. Les vierges sages peuvent ne pas croire depuis longtemps. Le Seigneur les enlèvera en premier parce qu'elles l'ont accueilli. C'est exact. Et quant aux vierges folles, elles n'ont pas accueilli le Seigneur. Donc peu importe qu'elles croient depuis longtemps ou pas, même si elles ont beaucoup souffert, le Seigneur les rejettera. Exactement. Ce sont les paroles du Seigneur à son retour qui sont décisives. Si on n'entend pas la voix du Seigneur, il ne nous emmènera pas. Et c'est logique et compréhensible. Je suis d'accord. C'est vrai. Vous n'avez pas vu les choses comme ça. C'est un choix raisonnable. Apprendre que la parole de Dieu Tout-Puissant est la voix de Dieu, mais le refuser obstinément, et même se plaindre que Dieu est injuste, c'est se rebeller contre le Seigneur et lui résister, non? C'est vrai, si, c'est vrai. C'est exact. Tout ce que Dieu fait est juste et raisonnable. Et c'est vraiment absurde d'en douter. Le Seigneur est venu dire des paroles. Ceux de l'éclair oriental ont accepté la manifestation du Seigneur. Ils seront donc emmenés en premier. Seuls ceux qui prêtent attention à la voix de Dieu sont sages. Cela réalise les paroles du Seigneur Jésus. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Amen. Ces paroles sont la vérité. Elle démasque les gens. C'est vrai. Le temps est venu de révéler au monde qui sont les vierges sages et les vierges folles. Pouvoir être enlevé devant Dieu dépend de l'attitude qu'on a envers sa manifestation et son œuvre. Tu as raison. C'est vraiment ça. Ça ne dépend que de nous. Tu as raison. Brioche fraîche à vendre! Qui veut manger une bonne brioche? Brioche aux légumes, brioche au poulet. S'il vous plaît, je peux vous emprunter la pompe à vélo? Il y a beaucoup de monde à la réunion d'aujourd'hui. Le Parti communiste surveille tout. Dis aux autres de rester sur leur garde. C'est compris. Merci beaucoup. Bonne journée. Pas de problème. J'ai bien fait le tour et je n'ai rien remarqué. D'accord. Je ne suis pas allé là-bas. Attendez! Je crois que j'ai repéré une réunion clandestine. Où ça? Regardez, je surveille le domicile de Wang Xia. J'ai pris des photos de tout le monde. Il y a des gens que je connais pas. Je les ai jamais vus. Je parie que c'est lui qui supervise le groupe. Oui, c'est possible. C'est bien le style. C'est pour ça qu'à mon avis, ils tiennent une réunion secrète. On aura une belle prime si on les arrête. Le parti nous a toujours récompensés. Oui, alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, on a l'adresse. Allez, en route. Vous avez fait du bon travail, bravo. Cette réunion est... Remercions Dieu. Ces échanges sont vraiment nécessaires pour comprendre sa parole. Ces débats éclaircissent les idées. Oui. Remercions Dieu. Eh bien, la lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant nous permet de voir quelles sont la vérité et la voix de Dieu. On ne doit pas prendre ça à la légère. C'est un sujet sérieux. Cela prouve ce que le Seigneur Jésus a dit. Mes brebis entendent ma voix. Amen. Remercions Dieu. Ceux qui écoutent la voix de Dieu et qui sont en mesure d'accepter la manifestation et l'œuvre de Dieu sont les trésors qu'il est venu emmener. Ils seront les premiers à être enlevés. C'est la grâce de Dieu. C'est vrai. Remercions Dieu. Remercions Dieu. Si nous croyons au Seigneur, mais sans pouvoir entendre sa voix, ni accueillir sa manifestation, même si nous croyons en lui, que nous travaillons et souffrons en son nom et pouvons interpréter toute la Bible, ça ne servira à rien. Nous ne pourrons toujours pas être enlevés dans le royaume des cieux. Il est donc indispensable d'entendre la voix du Seigneur. Exactement. Rappelez-vous l'histoire des grands prêtres juifs, des scribes et des pharisiens. Ils croyaient depuis longtemps. Et parmi eux, beaucoup travaillaient d'arrache-pied pour le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur Jésus s'est manifesté et a accompli son œuvre, non seulement ils n'ont pas reconnu la voix de Dieu, ni le fait que les paroles exprimées par le Seigneur Jésus étaient toute la vérité,
mais ils l'ont accusé de blasphème et de choses terribles. Comme de chasser les démons à travers le prince des démons. À votre avis, pourquoi ont-ils fait ça? Ça vaut vraiment la peine qu'on y réfléchisse. Bonne question. C'était pourtant des gens très pieux. Et ils travaillaient pour le Seigneur. Mais quand le Seigneur est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont rejeté et couvert d'opprobre et l'ont condamné. C'était une grave erreur, et ce genre de personne mérite la punition de Dieu. Et justement, le Seigneur est revenu pour démasquer les imposteurs. Séparer le bon grain de l'ivraie, les bons des mauvais serviteurs, les vierges sages des vierges folles. Et faire le tri selon le mérite. À la fin, nous serons tous jugés selon nos actes. Les vierges sages prêtent attention à la voix de Dieu et obéissent à sa manifestation et à son œuvre. Oui. Même si les vierges folles entendent la voix de Dieu, elles ne comprendront pas qu'il leur parle. Et elles feront comme les pharisiens, elles condamneront le Seigneur. C'est vrai. Ceux qui agiront de cette manière seront démasqués et éliminés. Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire? Oui. Oui. Ceux qui prêtent attention à la voix de Dieu sont les vierges sages. Nous devons écouter le Seigneur. Il y a pourtant un certain nombre de frères et de sœurs qui ne voient pas que la parole de Dieu Tout-Puissant est la voix de Dieu. Quel est le problème? C'est seulement en ayant la conviction profonde que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité qu'on comprend que c'est la voix de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». À quoi donc se rapporte sa voix? De quoi s'agit-il? Sa voix ne se rapporte pas au son de sa voix. Ça se rapporte aux déclarations de Dieu, à la vérité qu'il prononce. Oh. Là, c'est clair. Ça paraît évident. Elle a raison. La voix de Dieu et la voix de l'homme n'ont rien de comparable. Elles sont faciles à distinguer. La voix de Dieu est pleine de force et d'autorité. Elle est puissante. Et elle n'exprime que la vérité. Nous parvenons à le sentir quand nous l'entendons. Nous ne parvenons pas toujours à l'expliquer, mais nous le ressentons dans notre cœur. C'est vrai. C'est exactement ça. Et nous ressentons également que les paroles de Dieu sont tellement profondes et ne peuvent pas être percées par les gens. Elles permettent seulement aux gens d'avoir la conviction que Dieu s'adresse à eux. Sa parole est pleine de voix. Voilà. C'est exactement ce que je ressens. Aussi. Sa parole est profonde. Et contrairement à la parole de Dieu, celle de nos congénères est compréhensible et à notre niveau. Même si les mots prononcés ont été éclairés par la lumière du Saint-Esprit et sont utiles et bénéfiques pour nous, la dimension d'autorité et de puissance en est absente. C'est tout à fait ça. C'est comme les paroles des apôtres dans la Bible. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est l'interprétation que des hommes en ont faite. Sous l'éclairage du Saint-Esprit pour la majorité, mais rien de comparable aux paroles du Seigneur Jésus. C'est un fait. Bien grâce sûr, à cet échange, je comprends mieux maintenant. Ça m'aidera à discerner sa voix. Remercions Dieu. Moi aussi, ça va m'aider. Remercions Dieu. Et lisons quelques passages des paroles de Dieu Tout-Puissant que vous ressentiez. À quel point les paroles de Dieu Tout-Puissant sont justes et merveilleuses et quelles sont l'expression de Dieu. Vous voulez bien? Oui, d'accord. Alors allons-y. J'ai donné ma gloire à Israël. Ensuite, je l'ai retiré de là, emmenant les Israélites à l'est et en emmenant tous les hommes à l'est. Je les ai tous emmenés à la lumière pour qu'ils s'assemblent et s'associent avec elle et qu'ils n'aient plus à la chercher. Je permettrai à tous ceux qui cherchent de voir à nouveau la lumière et voir la gloire que j'ai eue en Israël. Je leur ferai voir que je suis descendu depuis longtemps sur un nuage blanc parmi les hommes, et qu'ils voient les innombrables nuages de blanc et les grappes de fruits, et plus encore, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je les laisserai voir le Maître des Juifs, le Messie désiré, et l'apparence complète de moi qui ai longtemps été persécuté par les rois à travers les siècles. Je ferai l'œuvre de l'univers tout entier et j'accomplirai une grande œuvre, révélant toute ma gloire et toutes mes actions à l'homme dans les derniers jours. Je montrerai mon visage plein de gloire à ceux qui m'ont attendu depuis de nombreuses années, à ceux qui ont désiré que je vienne sur un nuage blanc,
à Israël, qui a désiré que je revienne, et à tous les hommes qui m'ont persécuté, afin que tous sachent que j'ai depuis longtemps emporté ma gloire et que je l'ai emportée vers l'Est. Ce n'est pas en Judée, car les derniers jours sont déjà là. C'est tellement clair et compréhensible. Je fais mon œuvre dans tout l'univers. Et à l'Est, des coups fracassants éclatent sans fin, secouant toutes les confessions. C'est ma voix qui a conduit tous les hommes jusqu'à ce jour. Je laisse ma voix être celle qui conquiert l'homme. Ils tombent tous dans ce fleuve et se soumettent tous devant moi, car j'ai longtemps réclamé ma gloire sur toute la terre, et je l'ai répondu de nouveau à l'Est. Qui ne veut pas voir ma gloire? Qui n'attend pas impatiemment mon retour? Qui n'a pas soif de ma réapparition? Qui ne se languit pas de ma beauté? Qui ne viendrait pas à la lumière? Qui ne verrait pas la richesse de Canaan? Qui ne souhaite pas le retour du Rédempteur? Qui n'adore pas le Tout-Puissant? Amen. Ma voix doit s'étendre sur toute la terre. Faisant face à mes élus, je veux leur dire plus de paroles. Comme les puissants tonnerres qui secouent les montagnes et les rivières, je dis mes paroles à tout l'univers et à l'humanité. C'est pourquoi les paroles dans ma bouche deviennent le trésor de l'homme, et tous les hommes chérissent mes paroles. L'éclair illumine de l'Est et même jusqu'à l'Ouest. Mes paroles sont telles que l'homme déteste les abandonner et les trouve insondables. Mais en plus, l'homme se réjouit en elles. Comme un nouveau-né, tous les hommes sont heureux et joyeux, célébrant ma venue. À cause de ma voix, je ferai venir tous les hommes devant moi. Désormais, j'entrerai officiellement parmi les hommes pour qu'ils viennent m'adorer. La gloire que je donne et mes paroles font que tous les hommes viennent devant moi et voient que les éclairs apparaissent depuis l'Est et que je suis aussi descendu sur le mont des Oliviers de l'Est. Ils verront que je suis déjà depuis longtemps sur la terre, non plus le fils des Juifs, mais l'éclair de l'Est. Car je suis ressuscité depuis longtemps. Je suis parti d'entre les hommes, puis j'ai réapparu parmi les hommes dans la gloire. Je suis celui qui a été adoré durant des siècles innombrables avant maintenant. Et je suis aussi le nourrisson qui fut abandonné par les Israélites des siècles innombrables avant maintenant. De plus, je suis le tout glorieux Dieu tout-puissant de l'ère actuelle. Que tous viennent devant mon trône pour voir mon visage glorieux, entendre ma voix et voir mes actions. C'est là toute ma volonté, c'est la fin et le point culminant de mon plan, ainsi que le but de ma gestion. Que chaque nation m'adore, que toute langue me reconnaisse, que tout homme se confie à moi, que tout peuple soit assujetti à moi. Amen. 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 C'est magnifique. Je n'aurais jamais cru ressentir les paroles de Dieu. Ta puissance est tellement poignante. C'est incroyable. En regardant ça, j'ai eu l'impression que Dieu nous parlait depuis le troisième ciel. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont pleines d'autorité. Il est très clair que c'est la voix de Dieu. Ça ne fait aucun... J'en suis persuadée. C'est le Saint-Esprit qui parle à toutes les... C'est vrai. C'est la voix de Dieu. Amen. Oui, les paroles de Dieu Tout-Puissant sont incroyablement intenses et totalement différentes de celles des êtres humains. C'est évidemment la voix de Dieu. Ça, on ne peut pas en douter. J'ai pris les paroles de Dieu pour celles éclairées par le Saint-Esprit. Je m'en veux d'avoir été aveugle et de ne pas avoir reconnu Dieu.
Cette fois, j'ai enfin compris grâce à Dieu pour son aide. J'aimerais dire un mot, s'il vous plaît. Nous t'écoutons. Ayant lu ces paroles, nous avons la conviction profonde que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la voix de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Mais il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Dis-nous laquelle. Ce qui m'étonne, c'est que le Seigneur Jésus a dit une fois « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le Seigneur Jésus a été ressuscité et il est retourné dans les cieux pour nous préparer une place. Donc l'endroit qu'il a préparé devrait être dans les cieux. C'est exact. Si le Seigneur est revenu, ce devrait être pour nous conduire dans les cieux, pour nous emmener avec lui afin de rencontrer le Seigneur. Oui. C'est ça. Vous êtes là pour témoigner que le Seigneur Jésus est revenu dans la chair pour accomplir son œuvre sur terre. Alors comment va-t-il nous élever dans le royaume des cieux ? Et concernant le royaume des cieux, est-il sur terre ou dans le ciel ? Est-ce que le royaume des cieux est sur terre ou au ciel ? Tu veux lui répondre ? D'accord. En réalité... Frère Chen, cachez-vous ! Il y a une patrouille dans la rue ! Quoi ? Il ne faut pas qu'il nous trouve dans cette maison. On doit tous s'en aller. Reprenez vos livres et partez séparément. Certains passeront par l'entrée de service. D'accord. Mon frère, faites sortir calmement. Vite, mes sœurs, dépêchez-vous. D'accord. Xiangguang, Mingwei, la maison est de l'autre côté du champ de maïs, un peu plus loin. Oh, cet endroit est vraiment bien caché. Désormais, nous pourrons nous réunir en toute sécurité. Oui, c'est inespéré. Remercions Dieu. Pour ce qui est de savoir si le royaume des cieux est sur terre ou au ciel, c'est une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pourquoi il faut ouvrir le débat. Oui. Oui. Avant toute chose, nous devons d'abord déterminer ce que le royaume des cieux symbolise. Nous savons que le mot « cieux » désigne habituellement ce qui est céleste, qui appartient au divin. Donc on peut en conclure que le royaume des cieux représente le royaume où Dieu est au pouvoir. C'est le royaume de Christ. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord. Oui. Il reste donc maintenant la question de savoir si c'est sur terre ou au ciel. Je vous propose de regarder avec moi la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les paroles du Seigneur Jésus sont claires. Il nous demande de prier pour que le royaume de Dieu descende sur terre, afin que sa volonté soit faite sur la terre. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit que le royaume de Dieu serait établi au ciel, et il ne nous a pas fait espérer et prier qu'un jour nous soyons enlevés dans les cieux. Songez, est-ce que ce n'est pas la vérité ? C'est vrai. Vous ne pensez pas que le fait de prier constamment pour être emmené au ciel est une offense à sa parole, que c'est désobéir à sa volonté ? C'était une oui, c'est vrai. Je vais laisser Yang Mei lire une prophétie qui est dans l'Apocalypse. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Amen. Passons maintenant au chapitre 21. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Regardez avec attention. Ces deux passages mentionnent justement ces deux choses. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il se rapporte au royaume de Christ,
Ils annoncent que ce royaume se réalise sur terre. L'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours doit établir le royaume de Christ sur terre. Avant que n'ait lieu le grand désastre, Dieu formera un groupe de vainqueurs. Et ce groupe de vainqueurs sera les piliers du royaume de Dieu. Ce sont eux qui régneront aux côtés de Dieu au royaume du Christ. C'est merveilleux, c'est vrai. Et ceux qui ont été perfectionnés par Dieu constitueront le peuple du royaume de Dieu. Ceux qui n'auront pas accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours seront démasqués puis éliminés. Ils ne seront pas conviés au royaume du Christ. C'est juste. C'est ce qui va arriver ? Bien sûr que oui. Les prophéties de l'Apocalypse commencent par les déclarations de Dieu incarné dans les derniers jours et continuent jusqu'à la fin du désastre où le royaume de Christ est réalisé sur terre et finissent avec de nouveaux cieux et une nouvelle terre pour l'éternité. Et une fois que ces prophéties seront accomplies, le plan de gestion de Dieu sera entièrement réalisé. Et donc, maintenant, qu'est-ce que vous en pensez ? Le royaume de Christ annoncé dans l'Apocalypse est-il sur terre ou dans les cieux ? Le royaume du Christ est sur terre. Il est sur terre. C'est exact. Le royaume de Christ se réalise sur terre. Et on peut dire que tous ceux qui acceptent Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, s'ils ont été purifiés et perfectionnés, seront ceux qui peupleront le royaume du Christ. Ils feront partie du groupe de vainqueurs constitué par Dieu. Parce qu'ils auront été capables de prêter attention aux paroles de Dieu, de lui obéir et de l'adorer. Oui. Quand le grand désastre se produira, ces personnes protégées par Dieu seront épargnées. Dieu est gardien. C'est vrai, oui. Oui, remercie Dieu. Mais ceux qui ne vivent que dans l'imaginaire et dans l'irréel, qui rêvent d'être emmenés dans les cieux mais n'acceptent pas le jugement ou la purification du Christ dans les derniers jours, ces gens-là seront plongés au cœur de la tourmente. Un grand nombre de gens seront détruits. Et une minorité se tournera vers Dieu dans les affres du chaos. Tout ceci fait partie du projet que Dieu va bientôt réaliser. Oui. L'œuvre de Dieu est tellement sage. Donc maintenant, nous savons si le royaume du Christ est au ciel ou sur terre. Vous avez tous compris son message. Nous l'avons compris. Le royaume de Dieu est donc sur la terre. Les prophéties du livre de l'Apocalypse sont claires, mais je ne les comprenais pas. On a bien été aveugles. Ces prophéties sont pleines de sagesse. Sans qu'elles se réalisent et sans participer à cet échange, comment aurions-nous pu les comprendre ? Ça les a aidés. Dans le Notre Père, il est dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Les paroles du Seigneur sont claires comme de l'eau de roche. Le royaume de Dieu est sur terre et sa volonté sera faite sur terre. C'est exact. Puisqu'on récite le Notre Père tous les jours, pourquoi on ne l'a pas compris ? On n'a pas assez prêté attention aux paroles du Seigneur. On s'est contenté d'écouter les pasteurs et les anciens. On n'avait tout simplement pas accepté ces paroles. Et on s'est bercé d'illusions et de fausses croyances, en contemplant les nuages dans le ciel et en attendant que le Seigneur revienne pour nous emmener avec lui. Même dans nos rêves, nous n'imaginions pas que le royaume des derniers jours se réaliserait sur terre. Les pasteurs et les anciens ne peuvent jamais expliquer la vérité dans la Bible. Ils ne parlaient qu'à notre imagination et nos impressions. C'est pourquoi nous avons fait des choses absurdes, dans l'espoir d'être emmenés au royaume des cieux. Oui. Il nous est même arrivé de prier en haut des collines, en pensant que plus on serait près du ciel, et plus on aurait de chances d'être emmenés en premier lors du retour du Seigneur. C'est vrai que c'est ridicule. Grâce à cette réunion, je ne tomberai plus dans le piège. Moi aussi, je me suis comportée de manière idiote. J'étais ridicule, je scrutais le ciel à chaque fois que je sortais de chez moi. Je voulais voir son nuage. Dans ma tête, il était forcément blanc et il devait avoir un aspect un peu inhabituel. Et là, si j'avais la chance d'en voir un, je me disais, le Seigneur est peut-être sur ce nuage, alors ne bouge pas, il va t'enlever dans les cieux. Dis, nous aussi on a été bêtes à ce point. Oui. On a passé tellement de temps à espérer, tellement de temps à attendre, tout ce temps à le guetter. Mais ça n'a pas fait venir le Seigneur, il ne nous a pas encore amenés à lui dans les cieux. Oui, je sais. C'est grâce à cette réunion que j'ai enfin compris que le Seigneur est déjà revenu dans la chair et que son royaume est là et non dans le ciel comme on se l'était imaginé. On mérite des claques tellement on a été bêtes. On a été un jamais peu stupides. J'écoutais ce que les pasteurs et les anciens racontaient, sauf que la vérité leur échappait et donc je n'y comprenais rien.
Tu n'es pas la seule, tu sais. Moi aussi, j'ai fait des choses ridicules dont j'ai honte à présent. Raconte-nous ça. Je ne sais pas si vous allez le croire. Je jeûnais et priais pour que je puisse être enlevée dans les cieux. Je me suis affamée pour rencontrer le Seigneur. Je m'obligeais à ne manger pratiquement rien. En fait, je pensais que si je ne mangeais plus, je serais plus légère. Et que le Seigneur aurait moins de mal à me soulever pour m'emmener avec lui au ciel. C'est vraiment ridicule. Il n'y a pas que vous. Tout le temps où j'ai cru au Seigneur, je n'étais pas vraiment engagé. Je pensais que lorsqu'une personne croit en lui, toute sa famille était bénie. Et que si ma femme avait vraiment la foi, le Seigneur l'emmènerait dans le royaume des cieux. Et je pourrais m'agripper à elle. Et monter aux cieux sans que personne s'en aperçoive. Au moins, je vois que je ne suis pas la seule. J'adore ces anecdotes. Remercions Dieu. C'est une erreur qu'on ne fera plus à présent. Nous savons maintenant que le royaume de Dieu est sur terre. Oui. Mais il y a encore une chose que je ne comprends pas. Le Seigneur Jésus a dit « Je vais vous préparer une place. Mm-hmm. » Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je ne comprends pas comment interpréter ces paroles. Où le Seigneur Jésus nous a-t-il réellement préparé une place? Je trouve ces mots-là bien mystérieux. Sœur Fang, Sœur Tong, pourriez-vous nous donner votre point de vue? Oui, c'est oui, avec joie. Je trouve ça énigmatique, moi. Je réponds. Vous avez totalement raison. La parole du Seigneur est entourée de mystères. Si nous l'interprétons en fonction de nos idées, alors nous considérons que puisqu'il est retourné dans les cieux, le Seigneur doit être en train de nous y préparer une place. C'est une énorme erreur de voir les choses de cette manière. Dans l'œuvre de Dieu, nous ne devons jamais nous fier à nos imaginations pour interpréter sa pensée. Elle est incompréhensible pour le cœur humain. Dites-vous bien qu'on ne pourra comprendre son œuvre qu'une fois qu'il l'aura achevée, quand elle sera devant nous. Vous êtes d'accord avec moi? Sœur Fang a raison. Oui, ça paraît. Oui, c'est vrai. J'ai dû accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Et là, j'ai pu voir le travail concret qu'il avait accompli. Il est devenu clair que le Seigneur Jésus est revenu nous préparer une place pour que nous naissions dans les derniers jours, que nous acceptions l'œuvre de Dieu incarné, que nous nous soumettions à son jugement, que nous soyons purifiés et rendus parfaits, et nous serons emmenés au royaume du Christ. Amen. Nous avons énormément. Remercions Dieu. Ça dépend de nous, en fait. Réfléchissez-y. Dieu est devenu chair et se trouve parmi les hommes. Il a exprimé la vérité pour accomplir son œuvre. Et nous avons entendu la voix de Dieu, et nous tenons debout devant lui. Est-ce qu'il ne s'avance pas vers nous? Si, si, il s'avance vers nous. Nous mangeons et nous buvons ses paroles, nous les savourons, et nous assistons au festin avec Dieu. N'est-ce pas rencontrer le Seigneur? Si, quelle chance nous avons d'être en sa compagnie. C'est vrai. Et le jour où l'œuvre de Dieu sera achevée, que nous serons purifiés et perfectionnés, nous serons emmenés dans le royaume de Dieu. Le Christ règne au royaume de Dieu. Nous serons le peuple de Dieu et l'adorerons dans son royaume. Amen. Voilà qui réalise une autre prophétie. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Oui, c'est vrai. C'est comme ça que les paroles du Seigneur sont accomplies. Oui. Remercions Dieu. J'espère que tout le monde a compris et que les paroles du Seigneur sont claires. Pour moi, oui. Oui, j'ai compris. Accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, c'est être enlevé devant le trône de Dieu. C'est tellement concret. Oui, c'est merveilleux. Remercions Dieu. Plus nous étudions sa parole, plus nos cœurs seront brillants. Oui. Oui. Parce que la vérité est très concrète. C'est parfaitement vrai. J'ai beaucoup réfléchi. Dieu a dit dans le livre de l'Apocalypse que le royaume de Christ se réaliserait sur terre. Alors pourquoi les personnes du monde religieux prétendent que le Seigneur les enlèvera dans les cieux? C'est vrai. Pourquoi est-ce que tout le monde espère cela? Les pasteurs et les anciens passent leur vie à étudier l'Apocalypse. Mais ils ne savent toujours pas que le royaume du Christ se réalise sur terre. Est-ce qu'ils ne sont pas aveuglés par leur propre désir de bénédiction? Nous n'avons pas étudié la manifestation et l'œuvre dans les derniers jours. On s'est obstiné avec nos fausses impressions, au lieu d'attendre que le Seigneur descende sur un nuage pour nous enlever. Maintenant que j'y pense, je trouve ça totalement absurde. Ce n'était pas du tout réaliste. Il semble que le monde religieux espère des choses qui ne sont pas du tout réalistes et qui n'ont rien à voir avec les promesses du Seigneur.
Elles sont contraires à sa volonté et à la vérité de son travail. C'est absolument vrai. Si on lisait davantage les paroles de Dieu Tout-Puissant, ces problèmes pourraient se résoudre. C'est vrai. Seul Dieu Tout-Puissant peut nous sauver. Je suis d'accord. Remercions Dieu Tout-Puissant. Remercions Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. On a commis une faute. Ça nous a aidés. Oui, si vous voulez, nous pourrions lire les paroles de Dieu Tout-Puissant et voir ensemble comment le royaume du Christ se réalisera et combien ce royaume sera beau, d'accord? Ah oui, excellent. Ouvrez à la page 308. Dieu Tout-Puissant dit « Le royaume est en pleine expansion au milieu de l'humanité, il est formé au milieu de l'humanité, il se tient debout au milieu de l'humanité. Aucune force ne peut détruire mon royaume. Amen. Je marche maintenant au milieu de mon peuple, je vis au milieu de mon peuple. Aujourd'hui, ceux qui ont un véritable amour pour moi sont des gens bénis. Heureux ceux qui se soumettent à moi. Ils vont sûrement résider dans mon royaume. Heureux ceux qui me connaissent. Ils vont sûrement détenir du pouvoir dans mon royaume. Amen. Heureux ceux qui me cherchent. Ils vont sûrement échapper aux liens de Satan et jouir de ma bénédiction. Heureux ceux qui peuvent renoncer à eux-mêmes. Ils vont sûrement entrer en ma possession et hériter de l'abondance de mon royaume. Amen. Ceux qui se dévouent pour moi, je les célébrerai. Ceux qui se dépensent pour moi, je les embrasserai avec joie. Ceux qui me font des offrandes, je leur donnerai des jouissances. Ceux qui trouvent du plaisir dans mes paroles, je les bénirai. Ils seront sûrement les piliers qui soutiendront les poutres dans mon royaume. Ils jouiront sûrement d'une abondance sans pareille dans ma maison. Et personne ne peut se comparer à eux. Remercions Dieu. Avez-vous déjà accepté les bénédictions qui vous ont été données? Avez-vous déjà poursuivi les promesses qui vous ont été faites? Sous la direction de ma lumière, vous briserez sûrement l'emprise des forces des ténèbres. Au milieu de l'obscurité, vous ne perdrez sûrement pas la lumière qui vous guide. Vous serez sûrement maître de toute la création. Amen. Vous serez sûrement un vainqueur devant Satan. Amen. À la chute du royaume du grand dragon rouge, vous resterez sûrement debout au milieu des foules innombrables pour rendre témoignage à ma victoire. Amen. Vous serez sûrement résolu et inébranlable au pays de Sinim. Par les souffrances que vous supportez, vous hériterez de la bénédiction qui vient de moi et rayonnerez sûrement dans l'univers avec ma gloire. Amen. Tu as vu comme les mots de Dieu sont puissants. C'est extraordinaire. Oui, il nous a fait des promesses incroyables. C'est vrai. Il y a une telle intensité, c'est très beau. Ma sœur, vous me permettez de lire? Je vous en prie. Après l'achèvement de mes paroles, le royaume est progressivement formé sur la terre. Et l'homme retourne peu à peu à la normalité. Et donc le royaume dans mon cœur est établi sur terre. Dans le royaume, tout le peuple de Dieu retrouve la vie de l'homme normal. Fini l'hiver glacial, remplacé par un monde de ville de printemps qui dure toute l'année. Les gens n'ont plus à souffrir le sombre et misérable monde de l'homme, ni de supporter la froideur austère du monde de l'homme. Les gens ne se battent pas entre eux, les pays ne vont pas à la guerre les uns contre les autres. Le carnage est fini à jamais, ainsi que le sang qu'il faisait couler. Toute la terre est remplie de bonheur, et la chaleur entre les hommes imprègne tous les lieux. Amen. Je parcours le monde entier, j'aime siéger sur mon trône dans les hauteurs. Je vis parmi les étoiles, et les anges m'offrent de nouveaux chants et de nouvelles danses. Leur propre fragilité ne fait plus couler de larmes sur leurs joues. Je n'entends plus les anges pleurant devant moi, et personne ne se plaint de difficultés. Amen. Aujourd'hui, vous vivez tous devant moi. Demain, vous vivrez tous dans mon royaume. Amen. N'est-ce pas la plus grande bénédiction que j'accorde à l'homme? Amen. Nous vivrons une vie exceptionnelle dans son royaume. Oui. Ah. Dieu offre beaucoup de bénédictions à l'humanité. Oui. Remercions Dieu. Sœur Fang, j'aimerais lire moi aussi. D'accord.
Une fois le travail de conquête achevé, l'homme sera conduit dans un monde merveilleux. Cette vie, bien sûr, sera toujours sur la terre, mais elle sera totalement différente de la vie de l'homme d'aujourd'hui. C'est la vie que l'humanité aura après que toute l'humanité ait été conquise. Ce sera un nouveau départ pour l'homme sur terre. Amen. Amen. Et l'humanité jouissant d'une telle vie sera la preuve que l'humanité est entrée dans un nouveau et beau royaume. Amen. Ce sera le début de la vie de l'homme et de Dieu sur la terre. Les prémices d'une si belle vie supposent qu'après que l'homme ait été purifié et conquis, qu'il reste soumis au Créateur. Et ainsi, le travail de conquête est la dernière étape de l'œuvre de Dieu avant que l'humanité n'entre dans la merveilleuse destination. Amen. Amen. C'est magnifique. Oui. Rendons grâce à Dieu. Une telle vie est la vie future de l'homme sur la terre. C'est la plus belle vie sur la terre, le genre de vie auquel l'homme aspire, le genre que l'homme n'a jamais réalisé de toute l'histoire du monde. C'est le résultat final des 6000 années de travail de gestion. C'est ce à quoi l'humanité aspire le plus et c'est aussi la promesse de Dieu à l'homme. Mais cette promesse ne peut pas se réaliser immédiatement. L'homme n'entrera dans la future destination qu'une fois que le travail des derniers jours aura été accompli et qu'il aura été complètement conquis, c'est-à-dire une fois que Satan aura été complètement vaincu. L'homme sera dépourvu de la nature pécheresse après avoir été raffiné, parce que Dieu aura vaincu Satan, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'empiètement des forces hostiles, ni d'aucune force hostile qui puisse attaquer la chair de l'homme. Et ainsi l'homme sera libre. Amen. Et saint. Il aura accédé à l'éternité. Amen. C'est grandiose. Oui, c'est vrai. Ces paroles sont formidables. J'aimerais lire un passage, moi aussi. D'accord. D'accord. Ici. Merci. Quand les gens auront été restaurés à leur ressemblance originelle, quand les gens pourront accomplir leurs tâches respectives, garder leur propre place et obéir à tous les arrangements de Dieu, Dieu se sera acquis sur la terre un groupe de gens qui l'adorent. Et il aura également établi sur la terre un royaume qui l'adore. Amen. Amen. Il aura la victoire éternelle sur la terre, et ceux qui s'opposeront à lui périront pour toute l'éternité. Amen. Cela restaurera son dessein originel pour la création de l'homme. Cela restaurera son dessein pour la création de toutes choses. Et cela restaurera également son autorité sur la terre, son autorité sur toutes choses et son autorité sur ses ennemis. Voici les signes de sa victoire totale. Amen. 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 Désormais, l'humanité entrera dans le repos et entrera dans une vie qui suit la bonne voie. Dieu aussi entrera dans le repos éternel avec l'homme et entrera dans une vie éternelle partagée par Dieu et l'homme. Amen. 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 La souillure et la désobéissance sur la terre disparaîtront, de même que les lamentations sur la terre. Tout ce qui sur la terre s'oppose à Dieu n'existera pas. Seul Dieu et ceux qui l'a sauvé resteront. Sa création seule restera. Amen. Amen. Dans l'Apocalypse, il est annoncé « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ouais. » Oui. Voilà donc le monde idéal qui nous attend, dès que le royaume de Dieu sur terre sera achevé. C'est ça, la destination finale que Dieu nous a préparée est si merveilleuse. Remercions Dieu. Remercions Dieu. Lisons un autre passage. Dieu Tout-Puissant dit « Je circule au-dessus de tous les hommes, et je surveille tout. Rien n'a jamais l'air vieux, et aucune personne n'est comme elle avait l'habitude d'être. Je siège sur le trône. » Je m'étends à travers tout l'univers et je suis pleinement satisfait car toutes les choses ont recouvré leur sainteté et je peux tranquillement résider dans Sion une fois de plus. Et les gens sur terre peuvent mener une vie sereine et satisfaite sous ma direction. Tous les peuples managent tout dans ma main. Tous les peuples ont retrouvé leur intelligence de jadis
et leur apparence originelle ? Amen. Amen. Ils ne sont plus couverts de poussière, mais dans mon règne, sont aussi purs que le jade, le visage de chacun rayonnant la sainteté qui habite le cœur de l'homme, car mon règne a été établi chez l'homme. Amen. Si quelqu'un d'autre souhaite lire. J'aimerais beaucoup. Vas-y. D'accord, bien sûr. Dans le monde entier, seul Dieu et l'homme existent. Il n'y a pas de poussière ou de saleté. Et toutes choses sont renouvelées. Comme un petit agneau couché dans une prairie verte sous le ciel, jouissant de toute la grâce de Dieu. Et c'est à cause de l'arrivée de cette verdure que brille le souffle de la vie. Car Dieu vient dans le monde pour vivre aux côtés de l'homme pour l'éternité. Amen. Amen. Comme il a été dit de la bouche de Dieu, je peux tranquillement résider dans Sion une fois de plus. C'est le symbole de la défaite de Satan. C'est le jour du repos de Dieu. Et ce jour sera célébré et proclamé par tous les hommes et commémoré par tous les hommes. Quand Dieu est au repos sur le trône, c'est aussi lorsque Dieu conclut son œuvre sur la terre. Et c'est le moment même où tous les mystères de Dieu sont montrés à l'homme. Dieu et l'homme seront toujours en harmonie, jamais séparés. Ce sont les belles scènes du royaume. Amen. Remercions Dieu. Oui, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est comme ça que le royaume de Dieu va se manifester. Oui. Ça, au moins, c'est du concret. Oui, c'est réel. Le jugement et le châtiment dans les derniers jours purifient tout son peuple et font en sorte que son royaume émerge sur terre. C'est pourquoi l'œuvre du jugement est aussi importante. Amen. Heureusement qu'on s'est renseigné sur l'œuvre de Dieu Tout-Puissant pour entendre sa parole. C'est la seule manière d'entendre sa voix et de voir sa manifestation. Et bien sûr d'être un jour présenté à lui. Sans l'examen de son œuvre dans les derniers jours, en écoutant les pasteurs et les anciens, on aurait pu rater cette occasion. C'est exactement ça. Qui aurait cru que l'acceptation du jugement de Dieu dans les derniers jours serait le seul chemin pour être enlevé? L'acceptation de Dieu Tout-Puissant est une bénédiction pour nous. Très bien, remercions Dieu. Notre espoir de voir le Seigneur revenir est enfin récompensé. C'est le jour que nous attendions. Je repense à ce que le Seigneur Jésus a dit il y a 2000 ans. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Maintenant, le Seigneur Jésus est revenu, et nous avons l'opportunité de nous tenir devant le trône de Dieu et d'accepter le jugement et le châtiment de ses paroles. Nous pouvons devenir des vainqueurs avant le désastre, et finalement, nous serons amenés dans son royaume. C'est la grâce et la bénédiction de Dieu à notre égard. Remercions Dieu Tout-Puissant. Qui est-ce ? Bonsoir, je m'appelle Zhao Ziming. Est-ce que Xiang Guang est là ? Xiang Guang, tu as de la visite.